Salut à tous les amis, alors aujourd'hui on est à la mine de terre, donc notre spot. Donc on est avec Théo, voilà. Et ouais. On va faire une nouvelle piste. Là c'était, on avait déjà fait une piste là-bas, je sais pas si vous voyez, là il y a un virage, on voit. On avait fait ça, mais c'était pas vraiment rapide. Tout ça, donc on va faire une nouvelle. Donc vous allez voir, ça va vraiment être beaucoup plus long. Elle va faire peut-être 400 ou 500 mètres de long. Puis ça va plus être Plus DH incliné, là, ça plus va des être plus. sauts, moins technique comme les autres. Donc voilà, on va vous faire Ça des va être des timelapses gros de ça sauts et tout. quoi. Donc on va essayer de faire comme on peut et puis voilà. Avec pas mal de vitesse, je pense. Là on a bien dégagé, là on va faire un petit start par là. Et après ça va descendre là-bas et vous verrez après ce qu'on va faire. On va faire des pas mal beaux sauts normalement. Allez! Là les gars, donc là on a commencé. On a bien dégarni, on a coupé plein de branches qui gênaient et tout ça. Donc là voilà, ça va être le start là, ici, là où je suis. Là ça va descendre. Une pas mal petite descente quand même pour prendre de la vitesse. Là un petit start tranquille. Voilà, donc on a bien dégagé pour. Enfin on n'a pas dégagé trop large ni trop pas assez. Lui c'est Théo. Théo lui il coupe les arbres et moi j'enlève tout avec la pelle. Et après ce que je vais faire c'est que je vais prendre un grand râteau là. En plastique pour un râteau à feuilles pour bien égaliser tout, puis après voilà, on va tasser là. Ça va tourner un petit peu à partir de cet arbre là, c'est comme ça vers Théo, et après ça va continuer tout droit là-bas. Et je sais pas si vous voyez là-bas, il y a des troncs d'arbres, et on va faire un saut par-dessus. Voilà, ben voilà. Donc on va mettre des timelapses. Voilà les amis, alors là, on a bien dégagé jusque depuis le start là, que je vous montrais tout à l'heure. On a dégagé tout partout là. C'est bien de la terre, tout propre. Là Théo il dégage les ronces sur ces troncs là, donc en fait c'est ces troncs qu'on va. Ça fait à peu près 60-70 cm de haut. Alors on va prendre de la terre qu'on a creusée la dernière fois de la cabane. On va faire une grosse table là. Comme Et ça. après à côté on va peut-être faire un gros saut Et là. après, à côté on fera peut-être un saut, voilà. Donc on va ouvrir un petit time lapse. Avec Allez. une récepte. Avec une récepte. Ouais les gars, ça y est, on va partir là, on va ranger tout le bazar. Théo, donc là, on est sur le début de la ligne, on va dégager un peu plus pour pouvoir mettre un vélo. Donc on a fait tout ça aujourd'hui, hein. On a fait 1h30 de travail à peu près. Donc là, voilà, ça tourne, là. Enfin, tout petit virage vite fait. Et là, regardez, vous avez vu dans le timelapse le dernier là. Là, on va faire une grosse table partout, comme je vous disais tout à l'heure. Donc la table, elle va commencer, elle va. Le pic, enfin le. La fin du saut du kick qui va être là à peu près. Et la récep, bah, elle atterrit là derrière. Et après on va continuer là-bas. Il va bien falloir qu'on dégage, il y a bien du bazar. Donc voilà, donc on fera ça dans une prochaine vidéo. Donc ça va être à faire une kick ligne un peu de DH plus. Donc voilà, là-bas il y a Théo qui fait n'importe quoi. Voilà, allez, à la prochaine. Théo, tu dis au revoir. Salut.